Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, épisode 4, on va continuer à avancer un petit peu. Sachant que j'ai repéré que la Ferrari 458 Spider se débloque au rang 10 et je suis au rang 9. Donc ça veut dire que quand j'aurai atteint un objectif ou j'aurai monté d'un niveau, elle va se débloquer. Donc je pense que tant que ma voiture va tenir le coup encore un petit peu sur 2-3 courses, je vais garder celle-ci. Et plutôt que d'acheter l'Audi, je pense que ça vaudra le coup d'aller directement à la Ferrari Spider, qui au niveau de ses capacités, comme on peut le voir à l'écran, est plutôt bonne. Et à ce moment-là, avec les sous qui me restera ou les sous que j'aurai gagnés, eh bien, je monterai mécaniquement le moteur d'un niveau ou de deux niveaux, la physique, tout ça. Et on essaiera de garder celle-là pour faire les courses suivantes. Donc on va oublier l'Audi et les voitures précédentes et on va se focaliser sur la Ferrari. Et j'espère que voilà, je vais arriver à la débloquer pour qu'on puisse prendre celle-là. Allez, on est parti. Alors, quitter garage et on va changer un petit peu. On va se faire un celui-là là. Voilà, une interception. Donc on va essayer. Je sais, me rappelle plus ce que c'est, mais on va voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Alors interception, ça doit être avec les flics. Alors soit il faut échapper aux flics, je pense. Ça doit être ça. Je pense qu'il y a une troupe de flics qui vous poursuit. Et il faut s'échapper. Alors vous voyez, c'est vraiment du direct. J'ai même pas tenté de le faire. Hein. Voilà, on va directement voir ce que c'est. Échapper aux flics, voilà. Bon, mais c'est bien ça. Je m'en rappelais bien. Allez les gars, on est parti. Vous allez voir ce que vous allez voir. On va voir encore si ma voiture. Je crois, j'ai pas vu s'il y a un niveau moyen ou facile. Hein. Et on va voir si ma voiture retient encore le coup. Oula, le flic il s'est bien planté. Allez, on fonce. Le but du jeu c'est qu'on va avoir une barre d'évasion en bas qui va apparaître. Hein, si je me rappelle bien. Voilà. Et il faut que la barre soit à fond. Donc si la barre est à fond, ça veut dire qu'on a réussi notre mission. Alors aussi bien, ça va être une vidéo super courte. Parce que là, apparemment, pour faire cette évasion-là, j'ai pas trop de mal. Là. Ma barre est déjà à fond. Je pense que celle-ci, les doigts dans le nez. Allez, on a réussi. Échappé. En 41 secondes. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal parce que je crois qu'au niveau internet, j'avais vu que le mec, il avait fait 43... Non, je dis des bêtises. Peut-être 39 secondes, le meilleur. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble. Allez, ben on a 12 500 en 40 secondes. Et c'est pas mal. Alors, on va aller se chercher la cabane. Eh, dis donc, j'aurais jamais fait une vidéo aussi courte. Hein. Allez, elle est où ma petite cabane? Elle est ici. Voilà. Donc, du coup, voilà, on va se fixer l'objectif de la Ferrari. Et on va voir. Alors, pour passer d'un niveau, je suis au niveau 9 et aller au niveau 10. Je me rappelle plus exactement s'il faut que je fasse les objectifs. Ou si le fait de gagner simplement des courses fait grimper le niveau, je sais plus. Donc je vais essayer d'atteindre, comme c'est écrit à gauche, à droite, pardon, mon objectif d'atteindre le niveau d'alerte 5 avec la police. Alors j'ai essayé un petit peu tout à l'heure, c'est assez ardu. Donc je vais essayer de passer cet objectif-là tout à l'heure. Hein, et on va voir si ça va me grimper le niveau. Et qu'on peut atteindre cette magnifique Ferrari. En plus, honnêtement, j'ai envie de rouler en Ferrari, quoi. Ça m'a trop donné envie de voir ça. Donc on va essayer d'aller se la débloquer. J'ai raté ma cabane. Hop, allez, demi-tour. Voilà. Alors dans le jeu, bien entendu, on peut faire le côté flic et le côté pilote, hein, hors la loi, comme je suis en train de faire. Pour l'instant, je préfère largement le côté pilote hors la loi. Donc du coup, je vais rester là-dessus et on verra beaucoup plus tard pour que je fasse le côté flic. Déjà, si j'arrive à bien avancer et finir le côté pilote, ça serait déjà pas mal. Allez, 13 000 les enfants, on a réussi à se faire un petit pécule qu'on va vite mettre de côté. Alors je sais pas combien elle va coûter la Ferrari parce que je vais la débloquer, mais il faudra quand même que je l'achète. Mais comme j'ai dit, après avec les sous qu'on aura, on va essayer de se la monter pour se la garder un petit peu longtemps parce que je pense que ça va être une voiture très performante qui va nous faire avancer dans le jeu. Donc allez, objectif. Atteindre cette magnifique Ferrari ici et l'acheter. Voilà. Allez, c'était l'épisode 4 et je vous dis à très très bientôt pour l'épisode 5 et passez une bonne journée et une bonne soirée. Ciao ciao!